Parti, bienvenue sur le jeu Last Day on Earth. Allez, aujourd'hui, on va aller faire ce petit event. On va aller se faire on va aller suivre le lapin de Pâques. Donc, on va aller chercher les œufs de Pâques pour obtenir des récompenses. Alors, on va pour ce faire aller voir ce petit bonhomme. On va lui parler. Alors, fouille d'abord l'hôtel. Il doit y en avoir là-bas. Ok, pas de problème. Donc on va partir à l'hôtel directement, ça va aller assez rapide, alors je vais essayer de le faire assez rapidement, hein. J'y vais y aller en bourrin, je vais y aller en mode bourrin, donc je vais essayer de vous faire ça assez rapidement, on va essayer de faire une ou deux zones et voir ce que ça nous donne. Voilà, donc petit event, rien d'extraordinaire. Je pense qu'il va y avoir quelque chose de gros qui arrive d'ici peu. Enfin, je l'espère. On va voir ça. Mais j'espère qu'il va y avoir quand même une belle mage. Alors, donc il faut aller à l'hôtel. Donc, si c'est dans l'ordre, ça peut être cool. Allez, on va courir. Enfin, non, là, on va conduire pour le coup. Allez, on va rentrer. Alors là, je vais faire l'hôtel en sauvage, hein, je vous le dis tout de suite. Je vais faire l'hôtel au sauvage. Alors on va voir, est-ce qu'il faut suivre une route définie? Est-ce qu'il faut faire quelque chose pour obtenir ses œufs? Et ensuite récolter les récompenses? Alors, j'en sais rien. On va aller voir ça ensemble. Bon là, attendez, on va pas prendre une AK-47 directement ici. Ah, j'étais parti pêcher aussi. ok, allez, on va y aller comme ça. Ça devrait le faire, mais largement. Allez, on va courir, on s'en fout. Ils ont même pas le temps de nous toucher. Allez, viens ici, toi. Allez, on a des œufs ici. Allez, un œuf. C'est quoi ça? Alors, que savons-nous des œufs alpha, donc le bunker, il y en a environ 9 à l'intérieur. Mais avant d'y aller, nous devrions faire cuire du ragoût. Ok. Bravo, environ 12. Bon, alors celui-là, je pense que ça va être chaud. Le porc, il y en a un peu plus qu'à Bravo, donc il y en a plus que 12. Mais il vaut mieux se rendre directement au laboratoire. L'usine, nous avons compté 3 œufs et quelques gros lards. D'accord. Pompe, il paraît qu'il y a toute une nichée là-bas. Une nichée là-dedans. Il ne reste plus qu'à récupérer du tungstène pour terminer la construction de l'hélicoptère. Bon, ah ben voilà, on a un petit teaser pour savoir ce qui va arriver. J'espère. Oh, attendez, j'ai faim, j'ai soif. Alors, je vous dis, je pense qu'ils vont nous sortir un gros truc. Alors, l'hélicoptère, il y a des chances. Il y a des chances. Bon, on va boire un petit coup. Allez, hop. Ah non, non, hop. Je vais prendre les bouteilles d'eau. C'est toujours moi à prendre. Allez, on va. On va courir, on va aller vite fait se faire ce petit... voilà, vraiment... Je regarde quand même s'il y a des trucs intéressants dedans, rapido. On sait jamais. Ça je prends, voilà. Vous prendrez ce qui vous fait plaisir. Alors, je vais récupérer ça. Hop. Bon, je pense que vous avez là, où, quand vous me regardez, vous avez plus ou moins tous fait l'hôtel. Enfin, j'espère. Donc vous savez que c'est relativement facile. Ah, attendez, il faut que je le tape. Voilà, il faut se reculer. Là, ils vont nous sauter dessus. Allez, c'est parti. Alors, la grosse. Attendez, la grosse, on va essayer de lui mettre un petit coup derrière la tête. Ça va lui faire du bien. Éviter son cri, la frapper. Voilà. Elle nous donne 3 cordes, ça nous fait plaisir. Allez, venez ici, vous. Ah, ils m'ont tapé. Bon, a priori, il n'y a rien. Ah, si, il y avait des œufs juste à côté, je les ai même pas vus. Alors, attendez, attendez. Il y avait des œufs ici, j'avais même pas vu les œufs. Voilà. Alors, la petite difficulté, c'est que j'ai pas pris de machette. Donc, s'il faut ouvrir des zones, je vais être embêté. Bon, allez, c'est bon, tout s'ouvre, ça c'est cool. Bon, il n'y a rien. En tout cas, je vois rien.
Là, j'en profite quand même. Hop, je prends l'eau. Et je regarde, bon, si jamais, s'il y a un truc intéressant. La bouffe, l'eau. Voilà, c'est la vie. Le reste, j'en ai gavé la... j'en ai gavé dans ma base. Lui, on va quand même y aller. A priori, il ne veut pas s'ouvrir de l'autre côté. Donc ça m'arrange pas. C'est pas grave, on va aller prendre une. Je vais aller prendre une machette dans mon. Hop, ça je prends. C'est pour le recyclage. C'est pour le recyclage. Je recycle mes armes. C'est tout ce qui me reste au niveau de mon recycleur à faire. Donc. Bon, là il n'y a rien non plus. A priori. Petite grenade, ça se prend. Alors, on va faire ça. Tac, vous allez voir. Hop, messagerie. Tac, arme. Non, qu'est-ce que je voulais prendre? Ah non, maintenant c'est dans les outils, peut-être. Attendez. C'est dans les outils. Je vais prendre une hache en fer. Voilà. Non, s'il te plaît. Alors, sinon, hein, vous pouvez aller ramasser du petit bois juste à côté. Mais là, c'est pour la vidéo. Je vais pas m'amuser. Je vais essayer d'aller assez vite. Voilà, parfait. Bon, on a trouvé des œufs encore. 3 œufs. Ok. Ça mange pas de pain. Alors, la grosse question, c'est est-ce qu'il y en a dans le sous-sol? Est-ce qu'il y en a dans le sous-sol de l'autre côté? Alors, ça serait peut-être pas mal à aller voir. Je pense que je vais faire le sous-sol en hyper rapidement. Ça c'est pas mal. Un petit livre. Ça c'est pas mal. Même si moi j'en ai pas besoin puisque je suis complètement maxé. Mais malgré tout, je les garde. Je les garde, on sait jamais. Oh, j'y vais en bourrin, hein, je vous l'ai dit. Hop, on va quand même pas essayer de se faire trop toucher. Puis là, des fois, il y a des trucs sympas là dans les hop là-dedans. Donc j'en profite. Je suis pas sûr qu'il y en ait en sous-sol, hein, mais on va les voir. On va les voir. Ça vaut toujours le coup d'aller voir rapidement. Allez, on bouffe un morceau. Chasse aux œufs, rentrée. Ouais, rentrée. Ouais, je pense que là, c'est bon. Je pense que rentrée, ça veut dire. Allez, on va rentrer, on va rentrer. On va pas aller dans le sous-sol, a priori, il n'y en a pas, d'après ce que j'ai compris. S'ils nous disent de rentrer, c'est qu'on a fini la zone. J'en suis à peu près persuadé. Donc on va rentrer. On va voir ce qu'il va nous dire, notre ami. Allez. Bon, petit event, hein, je vous dis, je pense pas que ça va être. On va pas récolter des trucs de fou. On va aller voir ce que ça donne avec déjà avec une récolte de 3 œufs. Bon, je m'attends pas à un truc foufou. On va voir si on peut en. On va voir la prochaine zone qui nous propose. Peut-être on va y aller, on va aller voir. À moins qu'on puisse décider nous-mêmes de la zone. Bon, voilà, à ce moment-là, on va peut-être faire un petit truc rapido. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Bravo, échangeons. Les contre des récompenses. Ben vas-y, vas-y. Voilà. Alors, 3 œufs égale une récompense. Ah ouais, c'est pas foufou quand même. Allez, j'achète. Allez, je vais ouvrir. Ah non, c'est 2 œufs, une récompense, pas ça. Une armure tactique et des carottes. Ok. Bon, d'accord. Et là, donc du coup, là, je vais où je veux en fait. Je vais où je veux. Donc, si j'ai bien compris, si on va là, hop, on va faire événement. Le lapin pack, dans l'hôtel, le laboratoire, les égouts, le commissariat de police, les bunkers, la plateforme, la ferme, l'usine et l'autoroute. Ah ouais, il y en a partout. Il y en a partout. Alors, vous savez quoi? Vous savez quoi? On va aller à l'autoroute. La ferme, je l'ai faite 12 fois. Ça fait longtemps que j'ai pas été à l'autoroute. Ça vaut peut-être le coup d'y aller. Ce que je vais faire, je vais prendre un ou deux trucs pour l'autoroute. Alors attendez. Je pense que j'ai un ou deux trucs à donner. Non, c'est pas là.
Non, c'est pas là. Oui, c'est là. Bon, je vais prendre ça. Ouais, allez, je vais juste prendre ça. Pour améliorer ma moto, on va aller à l'autoroute. On va faire l'autoroute, voir combien on a d'œufs, parce que ça va être assez rapide. Ça devrait suffire largement, mais vous avez vu, il y en a dans quasiment toutes les zones. Alors, je vais pas vous faire toutes les zones, bien sûr, hein, parce que sinon la vidéo va durer 3 heures. Donc, non. Mais bon, allez, on va se faire l'autoroute. Donc, peut-être les deux zones, je pense, les plus faciles, on va dire, entre guillemets. Je pense les deux zones les plus faciles. Je vais en profiter pour filer ma roue de chopper. Je pensais que j'avais plus de trucs que ça, mais non. C'est pas grave. Ma moto, elle est hyper avancée. Il me reste plus grand-chose pour qu'elle soit complètement maxée, mais elle est pas maxée. Donc, hop, on va aller voir Janine. Allez, viens ici, Monique. Je te file ça. Alors, où j'en suis moi? Je vais lui filer ça. Ouais. Alors là, ça avance tout doucement. Les stats. Vous voyez, j'ai tout maxé. Sauf les dégâts de la moto. Il doit me rester encore un ou deux trucs à faire. Bon. On va aller à l'autoroute. L'autoroute, il est là. Qu'est-ce qu'il a lui? Échange avec un chasseur. Donner l'objet pour obtenir un œuf de Pâques. Sérieux? Alors ça, c'est à savoir. Donc 5 carottes pour avoir un œuf de Pâques. J'ai pas obtenu des carottes, moi. Si, je l'ai peut-être dans l'inventaire, attendez. Est-ce que j'ai des carottes? Ouais, j'ai des carottes. Donc les 5 carottes que vous avez obtenues. Eh bien regardez. Voilà. Voilà, c'est un plaisir de faire affaire avec moi. Ben, très bien. Donc, il s'est barré. Donc, je pense qu'il faut le faire peut-être dans un certain ordre. C'est pas impossible. Du plus facile au plus compliqué. Le plus compliqué, je pense que c'est quand même le bunker B. Alors, c'est dommage, l'event est terminé. Je crois que l'event est terminé. Sinon, ça aurait valu le coup de le faire. Bon, de toute façon, alors on va aller voir s'il y en a là. Maintenant, j'ai eu un œuf de Pâques. Alors, est-ce qu'il y avait que ça? Bon, je sais pas. On va aller jeter un œil. On va aller jeter un œil. Il y avait peut-être que ça, hein. Je pense pas. Alors, je pense pas que les autres Pâques y en aient là-dedans. Objectivement, non. Je pense pas. Attendez, ça j'en ai plus. Attendez, attendez. Attendez, ça aussi. Voilà, ça m'intéresse. Alors, est-ce qu'il y a des œufs de Pâques là dans cette zone? Grosse question, hein. Alors, une pelle, je prends. Je prends. Je prends. Alors, peut-être que pour l'autoroute, eh ben au moins vous le saurez, il y a peut-être que uniquement à l'entrée de l'autoroute. Donc vous avez peut-être même pas besoin de le faire. Donc ça vaut peut-être le coup, si vous avez regardé ma vidéo, de le savoir. Alors on va aller voir en bas, mais je crois pas. De toute façon, en bas, j'ai. Ah si, il y en a. Il y en a, il y en a. Ah ben, ils sont là, ils sont là. Attendez. Je me farcie lui là. J'avais pas vu. Bon, bah si, il y en a. Il y en a, il y en a, il y en a. Et ils sont là, regardez. Un petit œuf supplémentaire. Allez, hop, on prend ça. Œuf trouvé. Ça, c'est cool. Donc, je vais pouvoir me faire un nouveau mini opening, on va dire. Alors, en bas, il n'y en a pas. Bon, lui m'a vu, je m'en fous. On va le finir. Bon, ça vaut quand même le coup toujours d'aller voir un petit peu ce qu'il y a là-dedans. J'en profite, hein, tant que je suis sur zone, profitez-en. Ouais, bah ça me suffit.
Ah non, j'avais même pas vu ramasser les œufs de Pâques sur l'autoroute 1 sur 3. Ok, donc. Et Johnny, là, il fait quoi, lui? Ah, mais il y en a un là. Il passe par où? Alors, ma grosse question, c'est est-ce qu'on peut passer là? Oui? Non! Non! Je voulais pas sortir, je croyais qu'on pouvait faire comme le chasseur. Ah non, mais là, c'est la loose, complet. Bon, allez, on va y retourner. Bon, bah, ça va faire du coup une longue vidéo, hein, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Non, non, il nous manque deux œufs. Il nous manque deux œufs de Pâques. Donc, on va y retourner. Alors, je vous ai fait le bunker B là il n'y a pas longtemps, donc je ne vais pas vous le refaire. En plus, ça vaut vachement plus le coup de le faire pendant les 20. Alors, la question c'est. Bah, je suis nul, il est là en fait. Je suis nul, je l'avais pas vu. Allez, œuf trouvé, c'est parti. Donc maintenant, il nous en manque plus qu'un. Bah, il doit être vers le haut, je pense. Hein. On va aller voir. Allez, on va monter. Hein. On va monter. Hop, je pense que l'œuf de Pâques il doit se trouver. Je sais pas où, mais pas loin. Bon, je continue, bien sûr, à récupérer tout ça. Bon, grosse vidéo. Eh, hey, un petit soin, pas mal. Ouf. Voilà, bon, je peux plus prendre grand-chose. On va voir ça. Bon, il est où cet œuf là? Je l'ai raté. Ils sont plus durs que d'habitude. Ok. Il est où le œuf? A priori, il n'est pas là. Il est où? Ben, il est là. Ça y est, je l'ai trouvé. Voilà, l'œuf de Pâques était là. Boum, mission accomplie. Allez. Alors, autant vous dire que là. Putain, mais c'est pas possible. Je suis vraiment pas bon, mais c'est pas grave. On s'en fout. Allez, on y va. J'ai pas envie d'y passer des heures. Ouais. Voilà, ça c'est cool. Bon, alors là, attendez, je vais voir ce que c'est. Ouais, je pourrais le ramener à la miss. Vous savez ce quoi? Je vais vous le faire en off parce que sinon ça va être un petit peu long. Je pense que là, on est pas mal. Hein. Je pense que là, on est pas mal. On est pas mal du tout. Je vérifie, mais je crois que j'ai tout pris. Ouais. Non, je croyais qu'il me manquait une voiture à prendre. Mais non, même pas. Même pas. Donc, on peut sortir de la zone. Allez, c'est parti, je sors. Je me casse. Je crois que j'ai 3 œufs, donc plus 1 en échangeant les carottes. Donc il y a des petits persos, des petits PNJ qui vont vous demander des petits items. Bon, bah, ça vaut le coup, je pense. Ça vaut le coup. Allez, on va rentrer. Allez, on va rentrer à la maison. On va aller changer nos trois œufs. Moi, je vais continuer gentiment, me faire la ferme, les sous-sols, les machins, les trucs, les bidules. Je vais peut-être pas tout faire parce que je vous avoue que je suis pas non plus méga hypé par cet event. Mais bon, il fallait que je vous le présente. C'est chose faite. On va aller voir ce que me donnent les 3 derniers œufs. Ça peut valoir le coup, on sait jamais. Hein. Il y a l'air d'avoir des items sympas quand même. J'ai pas trop regardé. D'ailleurs, on va regarder un peu ensemble ce qu'il y a, ce qu'il propose notre ami. Alors, ouais, il y a des trucs. Bon, effectivement, il y a le mannequin. Ok. La 50e et la 100e ouverture garantissent un mannequin. Ok, donc ça, c'est des. Alors, ça m'intéresse. Bon, après, il y a des armes, il y a de tout. Allez, on va ouvrir. Ah, j'ai 5 œufs. Allez, on peut en ouvrir deux. Eh bien, écoutez, et sans déconner, et j'ai pris un sac à dos tactique. C'est énorme.
C'est énormissime, un sac à dos tactique, c'est incroyable. Bon, écoutez, j'ai eu quand même énormément de chance. Alors, les mannequins, ça sert à quoi? C'est de la déco pour votre base. Vous pouvez les habiller et vous pouvez. Voilà, ça vous fait un petit truc en plus dans la base. C'est un peu sympa, c'est un peu comme ça. Là, je vais vous montrer. Voilà, un gramophone ou. Voilà, il y a un petit nounours. Je sais plus où je l'ai foutu, mon nounours. Je crois que je l'ai foutu là. Ouais, voilà. C'est un petit peu comme ça, on va aller dans ma chambre, regardez, voilà, le petit perso là que vous avez ici, bah c'est ça quoi, c'est un item, une table, etc. etc. Donc c'est un item qu'on pourra poser, et vous pouvez l'habiller, lui mettre des vêtements, etc. Bon, c'est sympa, c'est de la déco, mais bon, il n'y a rien de foufou, c'est un petit plus. En attendant, ben, peut-être l'hélicoptère, puisque a priori ils ont l'air d'en parler. On va croiser les doigts. En attendant ça, ben, par contre, pour aller chercher, à mon avis, c'est compliqué. En attendant ça, ben, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très très vite pour la suite des aventures et bonne chasse aux oatoux. Bye bye.